J'arrive pas à m'imaginer ce qui va se produire. Ça risque d'être assez violent. C'est un peu une peur de l'inconnu. On est où demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Ouais, c'est ça, ouais. On est sur une lutte pour retrouver une justice écologique, sociale et équitable, mais en même temps, on recherche un peu de bonheur, chacun dans un monde meilleur. Sans chercher la justice, je pense que c'est un peu compliqué d'atteindre le bonheur. Bon, les chiffres, c'est bien joli, mais il faut vraiment... Il faut voir vraiment ce qu'il y a dans les chiffres, quoi, parce que c'est pas que des chiffres, c'est... Enfin... C'est toute la nature qui s'effondre et donc il faut voir ça. Et je pense que les gens qui voient que les chiffres, ils s'engagent pas autant que les gens qui comprennent le fond de ces chiffres. En fait, on n'est pas du tout pris au sérieux. Et tout ce qu'on fait, ça vaut peut-être rien en fait finalement. Peut-être que tout ce qu'on a fait depuis le début, peut-être que si on l'avait pas fait, ça nous aurait mis au même endroit que là où on est maintenant. Il n'y a rien qui est fait vraiment de concret par les personnes avec un grand pouvoir, enfin quelque chose qui incite aux gens en fait de faire une sorte d'espoir, il y a rien en fait. Après justement ça donne encore plus envie de montrer que on est encore là, on va continuer, on va peut-être aller plus fort et il faut qu'ils se tiennent prêts quoi. Et nous on est là et on est des personnes lambda, normales et on n'a pas le pouvoir qu'ont les grands avec leur argent. Je pense que ils se sentent tout puissants. Pour eux, c'est pas aussi grave. Pourtant, il y a des études qui ont été faites et tout, mais je sais pas. Ils sont peut-être pas prêts à changer leur vie comme la plupart des gens. Ils sont peut-être pas prêts à changer leur quotidien pour quelque chose de plus respectueux. Et toi, tu ressens quoi par rapport à ça? De l'insécurité, parce que je me dis, nous, on n'a pas les sous, donc on va forcément souffrir plus qu'eux. Nos parents, ils travaillent tous les jours pour avoir des sous, et malgré ça, on va souffrir. Quand t'as vu XR se mobiliser, ça, t'as ressenti quoi? De la joie. Je suis trop contente. Enfin, c'est là. On va commencer. Et ça va que faire s'accélérer. Je me dis que ça y est, ça commence. Les gens se rendent de plus en plus compte. Et il y a plein de choses. Il y a plein de bon cœur en fait, qui est mis dans cette organisation-là. Que vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de voir des choses comme ça. Même si je trouvais ça bien, le mouvement, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment faire bouger les choses encore? Parce que y a plein de choses qui se passent et il y a toujours les mêmes qui ferment les yeux, quoi. Parce que les marches et les clean walk, ça va un moment, mais quand les politiques se foutent un peu de notre gueule, on commence un peu à en avoir ras-le-bol et voir que les gens ils font « Oh, encore une marche climat, allez, ramassez des mégots !» ça fait plus trop rigoler. Petit à petit, le mouvement de désobéissance civile va s'étendre un peu partout, dans tous les petits groupes locaux ou même les plus grands, etc. Et j'espère que ça va faire bouger les choses. On verra. S'il n'y avait pas tout ce bordel-là, est-ce que tu arrives à t'imaginer toi heureuse ou quelque part? Ouais, mais pas dans ce monde-là. Dans un autre monde. Ou plus tard, quand tout aura changé. Pour moi, si on ne gagne pas cette lutte-là, il n'y aura pas de futur, tout simplement. Il faut tout de suite, dès le début, se mettre dans la tête qu'il y a un moment où la petite bulle qu'on est en train de se former, elle va éclater et il faut être prêt à ce moment-là. Et là, c'est en train de se passer, donc il faut que les gens ils soient ready, quoi. Voilà, il faut penser à l'avenir, à soi-même, à la nature, il faut penser à tout le monde et il faut essayer de se battre en fait. Oui, j'ai toujours espoir, un peu. Il est temps de changer, donc faut juste regarder dehors, regarder ce qui se passe, ouvrez vos yeux. Ça va arriver très vite, je pense. Est-ce que tu vois de toute ta vie? Non, c'est bon. Ça va bien. Bon, merci à toi. Merci.